this also says that we have the right to look after our own kids. You know, no longer are we going to let people come and take our kids. The residential school era is ended. We're moving on. Now we've got a lot of healing to do because of that era, and we're not going to let anybody else take our kids anymore. And that's why we're moving in the direction of looking after our own child welfare and getting our own designation. And this is going to be a big boost for that. The result of this decision will mean that an 11-year-old girl whose life could almost certainly have been saved will now be sacrificed. Vous venez d'entendre deux personnes. D'abord, Ava Hill, chef des Six Nations de Grand River, et Arthur Schaefer, directeur du Centre d'éthique professionnelle et appliquée de l'Université du Manitoba. Toute une controverse. Cet enfant dont on parle, cette petite fille de 11 ans, souffre de leucémie. La Cour suprême de l'Ontario, c'est l'équivalent de la Cour supérieure au Québec, a tranché, a décidé là, ce matin que la fillette a le droit de ne pas reprendre ses traitements de chimiothérapie et de recourir seulement à des traitements alternatifs comme le souhaite la famille, c'est-à-dire des soins traditionnels, autochtones. Et ces soins-là se donnent en Floride. Deux facettes de cette décision-là abordées avec Hubert Doucet, professeur associé en bioéthique à l'Université de Montréal, et Stéphane Beaulac, constitutionnaliste et professeur de droit, lui aussi à l'Université de Montréal, pour un peu nous expliquer tout ça. À quoi est-ce qu'on a assisté aujourd'hui, tant d'un point de vue légal qu'un point de vue éthique? D'abord, d'un point de vue illégal, parce que là, on parle de droits autochtones pour appuyer les cultures autochtones, les fameux droits ancestraux, alors que c'est la vie d'une enfant qui est en cause. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans un premier temps, c'est que la législation en vertu de laquelle on veut décider au lieu des parents, parce que dans des considérations, dans des circonstances normales, les parents décident des soins de l'enfant. Si on veut retirer les soins, bien, il y a un droit de regard dans un sens et on peut justement enlever l'autorité parentale si on croit que le besoin de l'enfant doit primer sur l'autorité parentale. Or, ici, ce à quoi on oppose la décision qui irait donner l'autorité à l'État, à l'Ontario, essentiellement pour décider en faveur de l'enfant et non plus le parent, ce sont les droits autochtones. Mm-hmm. Or, dans ce contexte, c'est, sauf erreur, sans précédent, qu'on interpréterait la disposition de la loi constitutionnelle de 1982, c'est-à-dire l'article 35, de façon suffisamment large pour qu'un droit qui n'a aucun lien avec le territoire puisse être invoqué à l'encontre d'une disposition d'application générale. Parce que soyons clairs ici, si ce n'était de l'aspect autochtone, la décision du parent de faire cesser les soins de chimiothérapie ne prévaudrait pas. Elle serait cassée. Comme les soins de Jéhovah dans le passé. Oui, parce qu'il y a un précédent assez récent, d'une vingtaine d'années, où justement on a refusé le droit des parents de décider d'arrêter des transfusions sanguines pour des raisons religieuses. En invoquant l'autorité parentale, on a dit non, c'est pas un droit garanti par la Charte. Parce que le droit à la vie est primordial, évidemment. Quand on pondère les intérêts en présence, on a les intérêts de l'enfant qui doivent, dans certaines circonstances exceptionnelles, être retirés de l'autorité parentale et donnés à l'État pour le bénéfice de l'enfant. Et vous pensez que sur le plan de l'analyse des droits ancestraux, ça ne tient pas la route? Là, vous... De deux choses l'une, Mme Dussault. C'est dans un premier temps l'interprétation très large qu'on donne justement à la protection constitutionnelle à l'article 35, sans précédent à mon avis, est problématique parce que justement on n'a pas suivi les enseignements. C'est un domaine, somme toute, très complexe où on doit pouvoir identifier un droit collectif, non territorial, qui se justifie dans les circonstances ici essentiellement le droit. C'est ça qu'on invoque et qui a été retenu en première instance, de ne pas suivre des traitements et d'aller vers la médecine alternative. Or, la première base, l'existence d'un droit, c'est problématique, mais surtout, c'est que la jurisprudence de la Cour suprême est claire, on doit pondérer les droits ancestraux avec les intérêts de la société. Ici, la société à voir au meilleur intérêt de l'enfant. Ah. Et cette deuxième étape d'analyse a été complètement omise par le juge de première instance. À mon humble avis, ça, cette décision devrait aller sur le fast track pour la Cour d'appel de l'Ontario pour être cassée. Parce que la vie d'un enfant est en cause, M. Doucet. L'on invoque le droit pour prendre une décision qui touche à la vie. Comment vous l'avez lu et reçu, cette décision-là? Parce que l'éthique, ça pose des questions. Hein? Ça doit nous aider à nous éclairer. Au point de départ, je voyais ça comme un cas classique des dernières années, les cas de parents de témoins de Jéhovah qui refusent les transfusions sanguines. Et je crois que le départ, d'ailleurs, quand le juge fait un peu l'historique, on voit comment l'hôpital est intervenu, comment les gens ont discuté, etc. Et là, évidemment, le jugement vient comme dévier ou changer, d'une certaine façon, ce processus classique.
Mais d'un autre côté, quand il y a des crises entre les médecins, les témoins de Jéhovah, les conflits, c'est un peu la même chose qui se produit. Hein? C'est qu'on n'arrive pas à se rejoindre. C'est comme si les histoires, les cultures ne se rejoignaient pas. Et dans ce sens-là, c'est aussi un cas classique, mais le juge, lui, l'a poussé plus loin. Parce qu'un enfant, dans notre droit, on peut refuser un traitement. Hein, dans le cas de Nancy B, il y a déjà bientôt 20 ans, est un cas qui avait fait de jurisprudence, une femme qui voulait mourir en refusant un traitement. Mais là, c'est le parent qui choisit pour l'enfant, qui, lui, n'a pas la capacité de choisir, de suivre ou non un traitement qui a une conséquence sur sa vie. Parce que les médecins disent ici 80-90% de chances de survie en suivant la chimiothérapie. Puis là, la mère, les parents disent, bien, on pourra peut-être y penser d'y revenir, mais pour l'instant, il n'y a pas d'appel. Là. On ne sait pas où est-ce que ça s'en va. Mais la mère... Oui, clairement, non, mais le délai d'appel. Oui, mais en maladie. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans la maladie, là. Ça va vite. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est que la mère, au départ, a accepté le traitement. Mm-hmm. Et elle a fait le tiers du traitement. Moi, ce que je me pose comme problème quand on travaille dans les milieux de santé et qu'il y a de ce type de conflit, c'est comment s'est établie la relation entre les médecins et les parents. Quand la mère est obligée de venir à l'hôpital de façon régulière, surtout que cette mère appartient à une tradition tout à fait particulière, hein, et il vit avec... Dans des formes particulières aussi, hein, de tradition. Et c'est un milieu, d'après ce qu'on peut voir par le jugement, où il y a beaucoup de communautés autochtones. Aussi. Il y a tout un mouvement, là. Alors, je pense qu'à ce moment-là, il y a une responsabilité... Il y a un questionnement face à la chimiothérapie aussi. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je crois que dans les milieux de santé... Il y a un choc culturel ici, là. Oui. Et les milieux de santé devraient être beaucoup plus sensibles à ces chocs culturels. On les voit, par exemple, avec d'autres cultures, avec d'autres traditions religieuses. On en voit de plus en plus de ces conflits. Et je crois qu'on n'a pas trouvé dans les milieux de santé le langage nécessaire, la manière de rejoindre les personnes. Et on sent les traumatismes des communautés culturelles des Autochtones ici quand la chef dit « c'est nos enfants ». On ne fera pas le coup là, des écoles, on ne nous enlèvera pas nos enfants, on ne fera pas le coup des écoles, des résidences qui ont été absolument dramatiques. Là. Oui, mais je suis d'accord, tout ce que mon collègue vient de souligner, en amont, on devrait travailler à communiquer auprès et en adoptant des façons plus efficaces de communiquer l'importance des traitements, etc. Sauf que moi, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que là, la décision arrive en aval, en bout de ligne, où il y a un désaccord et là, le droit doit trancher. Et il a tranché le droit, je crois, dans les présentes circonstances, de façon erronée. Et j'ose espérer que le système judiciaire va suivre son cours. Qui pourra en appel, là, ici? Là? C'est l'hôpital, là. Exactement, les services publics. Un peu l'équivalent de notre DPJ, qui pourrait prendre cette cause. Ça va être analysé et, à mon avis, la décision va être prise assez rapidement et de façon aussi accélérée. Mais ça, c'est pas une question de droit. Vous aimeriez qu'il y aille. Oui, non, exactement. Mais pour l'enfant également, là, compte tenu de son état de santé. Ça peut avoir des répercussions, cette décision-là? Bien sûr, je crois que déjà aujourd'hui, dans les hôpitaux, on se posait des questions. Alors, pourquoi cet enfant et pas un autre enfant? On va toujours être maintenant confronté, si on allait dans cette direction, à dire, là, tel parent refuse au nom de leur croyance, de leur culture, tel autre ici, on va aller dans toutes les... Donc, on va créer de plus grands conflits plutôt que de résoudre les conflits. C'est comme ça que les gens le vivaient aujourd'hui. Sur cet aspect-là, je serais peut-être plus nuancé dans le sens que la seule différence pour cet enfant, c'est qu'il peut mettre de l'avant l'argument autochtone. Ça va faire peut-être œuvre de précédent. J'ose espérer que ça va être corrigé en appel, mais pour une catégorie très, très précise. Oui. C'est sûr que votre point, vous, c'est plus général, c'est que ça devrait contextualiser davantage comment on aborde chacun des dossiers particuliers. Mais ici, au niveau juridique, c'est bien juste parce qu'on peut l'accrocher à une disposition de la Constitution que l'argument a été accepté. Sinon, on traiterait cet enfant-là comme tout un autre enfant. David, tu ne trouves pas qu'un enfant autochtone ait moins de droits? Moins de droits à la vie, j'imagine que ça fera partie des questions qui vont être abordées au nom de la Constitution. C'est ça. La Constitution qui, dans la Charte, protège les droits à la vie. Des citoyens qui doivent avoir les mêmes droits. Oui, mais ça ne serait pas la première fois. Non, on a souvent vu dans un contexte autochtone par rapport à l'égalité homme-femme que là, il y avait en conflit les intérêts autochtones avec des libertés fondamentales. Ici, c'est les libertés de l'enfant avec les droits ancestraux. Bon, tout ça porte à réflexion, puis on va voir la suite. Merci, Stéphane Boulac. Merci, M. Doucet. C'était fort intéressant.